묶었죠. អង្គជំរុញជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាមុនផ្ដល់វិការជូនទៅសហមេធាវីការពីក្តីនេះវិញនៅមុខដំណាងដើមដំណាងរបស់នេះអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគីនៃរឿងក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងសូន02ទាំងអស់សូន02ស្លាស់02ទាំងអស់ថានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកានៅ ពេលសេះសល់នៅរុស្ស៊ីនេះនឹងថ្ងៃបន្តទៀតដោយលោកចក្រមក្លូឌីវិនគាត់មានបញ្ហាសុខភាពមិនអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មាការបានហើយបន្តពីយើងខ្ញុំវិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងបណ្ដាចក្រមពេញសិទ្ធិនៃអង្គជំរះលទ្ធិបងយើងសម្រេចតែងតាំងលោកចក្រមម៉ាក់ទីនក្រុមគិនជាចក្រមបំរុងអន្តរជាតិជំនួសកន្លែងក្លូឌីវិនដែលមិនមានលទ្ធិភាពអាចចូលរួមសម្មាការបាន រហូតដល់ពេលណាដែលលោកស្រីចក្រមភ្លុកដេវិនមានវត្តមាននិងមានលទ្ធិភាពអាចបំពេញការងារក្នុងការចូលរួមសម្មាការនៅក្នុងអង្គជំនុំយុទ្ធសាស្ត្រលទ្ធិបងវិញបានហើយការអនុវត្តនេះយោងតាមខ្លឹមសារនៃបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 794 នៃវិធានទីក្នុងរបស់អង្គជំរះវិតមាញ់ក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាទតទៅនេះផ្ដល់ឱកាសជូនទៅសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្តងរដ្ឋប្រំនេះដើម្បីឡើងធ្វើដូចសន្តាននិង Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal. Alors que nous avons consacré les trois premières sessions à la première composante de l'action civile, c'est-à-dire la participation aux poursuites contre les accusés, nous allons consacrer cette dernière session à sa deuxième composante, c'est-à-dire la demande de réparation morale et collective. Avant de rentrer dans le détail des réparations morales et collectives que nous vous demandons et que nous demandons à la Chambre de reconnaître, je voudrais indiquer que les parties civiles ont montré, pour la plupart, une résilience extraordinaire et ont souvent trouvé, pendant les 40 années qui nous séparent des faits, leurs propres moyens de surmonter leurs souffrances et d'avancer. En parallèle, un nombre important d'initiatives gouvernementales ou non gouvernementales a été mis en place pour les victimes des crimes commis pendant le régime des Khmers rouges, avant même la création de ce tribunal et tout au long de ces 10 années d'existence. C'est donc avec humilité et modestie que nous abordons la question des réparations morales et collectives, car beaucoup a déjà été fait. La réforme de 2010, c'est-à-dire l'amendement de notre règlement intérieur, a créé un régime de réparation très spécifique, puisqu'il a ouvert la possibilité aux co-avocats, en coopération avec la section de soutien aux victimes, d'identifier, de développer et de mettre en œuvre des projets de réparation conçus avec des partenaires et avec des financements extérieurs. La mise en place de ce système a ouvert une phase qu'on pourrait appeler une phase d'expérimentation. Il était difficile de savoir à l'époque comment ce système allait évoluer. Avant de montrer les potentialités de ce système, je voudrais dresser un bref bilan critique et montrer comment ce système, même s'il a ouvert un réel espace pour fournir des réparations, a en même temps, de fait, limiter le droit des parties civiles à obtenir des réparations. La première vraie limitation est textuelle. Elle est inscrite dans le règlement intérieur qui prohibe l'octroi de réparations individuelles et monétaires. La Chambre le sait, les parties civiles ont fréquemment
réclamer des compensations financières. Le 17 octobre 2014, une cinquantaine de parties civiles a adressé une pétition à la Chambre pour exprimer son mécontentement à l'égard du régime de réparation. Nous avons demandé que la pétition soit officiellement versée au dossier et la Chambre l'a accepté, tout en rappelant que les CETC n'avaient pas compétence pour ordonner l'octroi de réparations individuelles. Alors que les réparations morales et collectives suscitent un réel intérêt au niveau international, il est nécessaire de rappeler que de nombreuses parties civiles, dont beaucoup vivent dans des conditions de vraie précarité, considèrent que la compensation financière reste ce qui peut faire une réelle différence dans leur quotidien. La deuxième limite est jurisprudentielle et elle vient de votre jurisprudence, Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal. Le règlement intérieur prévoit en effet qu'en statuant sur la mise en œuvre des réparations morales et collectives, vous avez deux possibilités. Soit décider qu'une réparation sera mise à la charge de la personne déclarée coupable, ou reconnaître qu'un projet spécifique est une réponse appropriée à une demande de réparation. Dans le cadre du premier procès du dossier 2, nous vous avions demandé de dire à titre principal que les réparations que nous demandions seraient mises à la charge des accusés et que, eu égard à leur indigence, elles seraient mises en œuvre par le biais des projets spécifiques, c'est-à-dire de l'option numéro 2. Vous avez rejeté notre demande et conclu que les deux modes de réparation qui existent devant les CETC ne sont pas seulement distincts, mais s'excluent mutuellement. Et que nous devions, nous, co-avocats principaux, impérativement choisir l'un ou l'autre de ces modes. Par conséquent, l'énoncé actuel des règles telles qu'interprétées par votre chambre ne permet pas de respecter un principe fondamental selon lequel toute personne reconnue coupable d'un crime est responsable du préjudice qu'elle a causé. Postérieurement à votre jugement dans le dossier 2.1, la Cour pénale internationale, dans son arrêt Lubanga, a indiqué sans ambiguïté qu'une ordonnance de réparation devait être rendue à l'encontre d'une personne coupable, confirmant ainsi la jurisprudence internationale. Une autre limite est venue du fait que la Chambre, lors du procès 2.1, nous a invités à commencer la mise en œuvre des projets de réparation avant une éventuelle condamnation des accusés. Cette pratique, adopté car il était difficile de chercher des financements pour des projets de réparation qui ne viendraient prendre effet que dans 2 ans, pose une réelle difficulté car elle renverse complètement le fondement de la réparation judiciaire. Alors qu'une réparation judiciaire prend sa source dans l'éventuelle condamnation des accusés, nous avons dû mettre en œuvre des propositions de projets de réparation en devant systématiquement garder à l'esprit et rappeler à nos partenaires que la présomption d'innocence devait être respectée. Nous nous retrouvons donc dans une situation inédite où nous sommes formellement en présence de réparation judiciaire, mais ces réparations ne trouvent plus en pratique leur source dans la condamnation des accusés, puisque leur mise en œuvre, certes en tant que proposition, commence avant une éventuelle condamnation et un éventuel verdict de culpabilité. Et puis enfin, parce que ces réparations ne peuvent pas, même de manière symbolique, être mises à la charge des accusés.
Une autre limite est liée au mode de financement des projets. En refusant dans le dossier de 1 la mise en place d'un fonds d'indemnisation, la Chambre a de fait soumis le processus de développement et de financement des projets de réparation aux logiques des bailleurs de fonds. S'il est parfaitement légitime qu'un bailleur de fonds ait un mandat, des priorités définies à l'avance, et ne puisse dès lors financer que ce qui rentre dans ses priorités, cette réalité a eu un impact important sur la faisabilité de certains projets de réparation. Par exemple, les parties civiles avaient massivement soutenu la construction de stupas dans tout le pays. Ce projet n'a jamais trouvé preneur, y compris du côté des autorités. Un autre projet très intéressant permettait aux parties civiles, qui sont souvent âgées, d'avoir un accès accru aux soins. Ce projet, massivement plébiscité par les parties civiles, n'a pas trouvé de bailleur de fonds. Une autre limite est liée au fait que de nombreuses réparations pour voir le jour nécessitent une coopération et un éventuel soutien financier du gouvernement. Dès le début du dossier 2, dès 2013, nous avons sollicité le gouvernement royal du Cambodge, car l'État a une responsabilité en matière de réparation. L'idée était donc de proposer au gouvernement de développer et de financer une série de projets. Au final, nous ne vous présentons aujourd'hui qu'un seul projet qui est soutenu par le Conseil des ministres sur l'accès aux archives et documents relatifs au CETC, au sein du Centre de documentation juridique, et mon confrère Antic va en parler. Une limite enfin liée au cadre institutionnel et à l'organisation de la question des victimes au sein de ce tribunal. La modification du règlement intérieur de 2010 consacrait un équilibre entre, d'un côté, des réparations judiciaires, principalement destinées aux parties civiles, que nous avons la charge d'identifier et de développer en coopération avec la section de soutien aux victimes, et en parallèle des réparations non judiciaires pour la plus large communauté des victimes relevant du seul mandat de la section de soutien aux victimes. Nous aurions dès lors parfaitement pu imaginer un nombre très restreint et ciblé de réparations judiciaires destinées aux parties civiles et des réparations non judiciaires, c'est-à-dire des réparations qui sont arrimées au CETC mais dont la reconnaissance n'est pas indexée à la culpabilité des accusés dans le dossier numéro 2-2, à destination des victimes du régime des Khmer Rouges de la manière la plus large possible. La section de soutien aux victimes n'a pas souhaité approfondir l'idée de cette complémentarité, privilégiant le développement de réparations strictement judiciaires. En creux, cet élément souligne la difficulté de définir une stratégie cohérente quand plusieurs acteurs sont co-responsables d'un même sujet et quand les règles ne sont pas suffisamment claires pour résoudre les problèmes de leadership. Même si nous sommes parvenus à collaborer avec la section de soutien aux victimes, cet élément d'ordre organisationnel est important pour comprendre les éventuels couacs vécus par certains partenaires et la liste de projets que nous vous présentons aujourd'hui. Elle est en effet le résultat d'un compromis permanent. Cette idée de complémentarité entre réparation judiciaire et réparation non judiciaire jamais été approfondie. Deux idées ont guidé notre approche dans l'identification et le développement de projets de réparation que nous vous soumettons aujourd'hui. Premièrement, les projets doivent avant tout apporter
des bénéfices aux parties civiles. Et pour nous assurer de cela, nous avons au maximum de nos capacités et avec le soutien de la section de soutien aux victimes, organisé des consultations avec les parties civiles, lors desquelles les partenaires étaient invités à présenter leur projet. Nous avons également invité les ONG partenaires à intégrer des consultations dans la conception même de leur projet. C'est à notre sens ce qui différencie un projet de réparation judiciaire d'un projet d'ONG sur la question des Khmers rouges. Sur cette question des consultations, nous avons essayé d'être le plus transparent possible dans nos conclusions finales, qui contiennent toutes les données dont nous disposons sur les consultations qui ont été organisées. Premièrement, donc, le bénéfice accordé aux parties civiles, et deuxièmement, en ligne avec votre jurisprudence dans le dossier 2.1, la plupart des projets apportent des bénéfices collatéraux aux victimes non représentées. Aucune des limites que je viens d'évoquer ne vient entacher la qualité des projets dont nous vous demandons la reconnaissance aujourd'hui. 12 projets sont complètement financés et ont été partiellement ou totalement mis en œuvre. Ankhik et moi-même vous demandons la reconnaissance de 11 projets et je vous demanderai la reconnaissance d'un 12e projet. Nous avons inclus dans notre demande finale de réparation 7 projets qui n'ont pas encore trouvé de financement et pour lesquels la section de soutien aux victimes, principalement responsable de la recherche de fonds, nous a demandé un délai supplémentaire. Pour ces 7 projets que nous ne présenterons pas aujourd'hui pour des questions de temps, mais qui sont détaillés dans nos conclusions finales, nous demandons à la Chambre la chose suivante. Nous vous demandons de nous permettre de déposer des éléments complémentaires jusqu'à la fin du mois de novembre, si vous jugez bien évidemment que ces projets sont suffisamment précis et répondent aux critères de la règle 23. Si, d'ici le mois de novembre, nous ne soumettons à la Chambre aucun document attestant du financement de ces projets, nous vous demandons de vous considérer dessaisi de ces projets et dès lors de ne prendre aucune décision de rejet pour manque de financement dans votre verdict final. Je vais maintenant présenter 3 projets. Ankhik présentera la suite des projets et je reprendrai la parole une minute avant la fin pour présenter le dernier projet que je souhaite soutenir et présenter à votre Chambre. Les 3 premiers projets que je souhaite présenter font tous partie de la catégorie que nous appelons la catégorie des garanties de non-répétition, qui sont une catégorie de réparation reconnue dans les textes internationaux en matière de réparation, et notamment les principes directeurs des Nations Unies sur les réparations. Le premier projet est un projet que nous avons développé en partenariat avec Bopana, le centre du visuel Bopana, et c'est un projet d'app sur l'apprentissage de l'histoire liée au Khmer Rouge. Nous allons diffuser une première vidéo qui explique de manière très concrète à la Chambre et aux partis le contenu et l'objectif de ce projet et les bénéfices qu'il accorde aux partis civils. C'est un projet qui a été développé avec un mémorandum d'accord avec le ministère d'Éducation et qui permettra à cette app de rentrer dans toutes les écoles du Cambodge. Ce projet a été présenté à 340 parties civiles dans divers forums et l'application finale en tant que telle a été présentée à 136 parties civiles lors d'un forum à Kampong Cham en février 2017. Je voudrais maintenant que nous puissions voir la vidéo numéro 1 sur le projet intitulé « Application sur l'apprentissage de l'histoire ». Histoire liée au Khmer Rouge.
ម្មវិធីសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់សាធារណជនជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជា tablet ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះលើកពីនេះលោកអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មាននិងដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះផងដែរអត្ថបទសរសេរខ្សែភាពយន្តខ្សែអត្ថសម្លេងរូបថតស្នាដៃសិល្បៈផ្សេងផ្សេងស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមព្រមទាំងសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីជាពិសេសបទសម្ភាសជាមួយជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមួយនេះនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងនឹងយើងបែងចែកជា3ក្រុមក្រុមទី1គឺក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធដែលពួកគាត់ទទួលបន្ទុកក្នុងការចងក្រងនិពន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមការចងក្រងនិងការនិពន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានការផ្ដល់យោបល់និងការទូតពិនិត្យពីគណៈកម្មការបច្ចេកទេសជាតិនិងអន្តរជាតិដែលពួកគាត់សិតតែជាអ្នកជំនាញទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនឹងជាយូរយារណាស់មកហើយចំណែកឯក្រុមទី2វិញគឺជាក្រុមអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តពួកគាត់ចុះសម្ភាសជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមជាពិសេសដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងអ្នកឯកទេសមួយចំនួនដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលព័ត៌មានក្នុងការចងក្រងធ្វើជាខ្សែភាពយន្តក្រុមទី3គឺជាក្រុមទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការសរសេរកូដក្នុងការសរសេរកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងធ្វើយ៉ាងណាដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានទាំងអស់នឹងនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគូកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិស្សនិស្សិតទូទៅដូចជាពួកខ្ញុំដែលជាអ្នករៀននឹងដោយសារវាមានក្នុងនឹងមានអត្ថបទដែលសង្ខេបស្រួលយល់ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចស្វែងយល់បានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយក្នុងនោះទៀតសោតនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងវាមានបញ្ចូលទាំងរូបភាពសំឡេងហើយនិងវីដេអូដែលយើងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមើលបានអានបាននិងស្ដាប់បានក្នុងពីដំណើរគ្នាកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះមានរូបថតវីដេអូឯកសារដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅទិដ្ឋភាពដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈកម្មវិធី App គឺមានសារៈសំខាន់ដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីឬក៏ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទាំងអស់ដោយសារទី1គឺយើងបានកត់ត្រារឿងរ៉ាវទាំងអស់របស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងកម្មវិធីនោះទី2ទៀតគឺយើងបានចែករំលែកទៅដល់មនុស្សសម័យថ្មីមនុស្សជំនាន់ក្រោយហ្នឹងតាមរយៈរឿងរ៉ាវរបស់កម្មវិធីនេះបើថាគេចង់ចូលមើលរឿងដែលកើតនៅក្នុងអតីតកាលគឺគ្រាន់តែថាចូលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងតើដំណើរការជីវិតនោះវាយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចែករំលែកបានតាបានព្រមកំឡុងបរិវត្តប្រទូអាវុធនយោបាយខាងស្រាUn deuxième projet, Monsieur le Président, que nous vous demandons de reconnaître dans le cadre de ces garanties de non-répétition qui s'articulent autour de ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. C'est un projet dont notre partenaire est le Centre de documentation du Cambodge, DICICAM, et qui est un projet...de formation des professeurs d'école et d'université sur l'histoire
lié au Khmer Rouge. Et ce module de formation intègre des récits de partie civile. Je sais que nous avons des photos de ce projet qui vont défiler en même temps que je parle. Et j'ai oublié de citer les personnes qui nous ont permis de réaliser le projet de Bopana, c'est l'Union européenne et c'est la Fondation REIN. Sur ce projet donc de DICICAM, qui est un module de formation pour les enseignants, les professeurs d'école et les enseignants d'université, le récit des parties civiles est intégré et 147 parties civiles ont pu recevoir une présentation sur ce projet et donner leur avis sur la réalisation de ce projet en présence de personnes de DICICAM. Ce projet est intégralement financé par l'Union européenne. Un troisième projet que nous vous demandons de reconnaître dans la catégorie des garanties de non-répétition, toujours axé sur cette idée d'un dialogue intergénérationnel entre les parties civiles et la jeune génération. C'est un projet que nous avons développé avec Meta House et l'association Khmer Action Art, avec également l'association Youth for Peace. Et c'est un projet qui s'appelle le projet de la tortue courageuse. C'est un projet qui s'articule autour d'une pièce de théâtre jouée par de jeunes Cambodgiens, écrite aussi par une équipe de jeunes Cambodgiens. Une pièce de théâtre autour des actes de courage pendant le régime du Kampuchea démocratique et comment ces événements peuvent faire le lien avec ce qui se passe dans le Cambodge d'aujourd'hui. C'est un projet qui est développé avec un mémorandum d'accord avec le ministère de l'Éducation. Cette pièce de théâtre tourne dans l'ensemble des écoles du Cambodge et à l'issue de cette pièce de théâtre, vous avez des parties civiles qui peuvent interagir avec les élèves. Et je souhaiterais maintenant montrer la deuxième vidéo qui explique le contenu du projet de la tortue courageuse. ចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការរំលឹកឡើងវិញក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងរ៉ាវនៃការមានឡើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមនោះគម្រោងដាក់ក្លាហានជាងបានបង្កើតនូវកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនួនរវាងយុវជននិងដាមណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយដាមណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានចូលរួមជាសាក្សីចំពោះមុខ